Dauphiné, 74-25, page 278. Trois jours plus loin, après avoir mangé dans des assiettes jetables, lancé dans son estomac des plats tout préparés, cuisinés, décongelés dans des chauffe-plats jetables, tourné des vis avec des tournevis jetables, après s'être rasé avec des rasoirs jetables, mouché dans des mouchoirs jetables, avoir enfilé des couches jetables, des slips jetables, des godemichés jetables, des téléphones jetables, tourner les pages de livres jetables, écouter des infos jetables sur des radios jetables, penser des pensées jetables chopées dans des journaux jetables, écrire des lettres d'amour jetées avec des stylos jetables, voyager dans des jets jetables conduits par des travailleurs jetables habillés avec un art consommé d'habits jetables, accepter de jouer habilement le rôle de parrain auprès de consommateurs néo-consommables, puis jeter avec état d'âme minimum ses propres enfants ou rejetons dans les flots translucides de la consommation totale jetable, et après avoir longuement conversé avec des, enfin dans la mesure de leur temps disponible, hein, des ouvriers hautement spécialisés spécialement jetables dans des usines jetables, des patients soignables jetables dans des hôpitaux jetables, soignant même tabac, des cadres hors cadre impatients d'être jetés de leurs entreprises jetables. Bref, toute catégorie d'administrés jetables dans des sociétés hautement jetabilisées. Herbert Tillman, tortue terrestre, inventa le concept d'humanité jetable, mais trop tard.